bonjour à tous. Je suis le docteur Sandra Froy, je suis pédiatre de soins palliatifs. Je travaille donc sur une équipe régionale ancien découpage, je précise, puisque nous sommes deux équipes régionales dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Donc qui est rattachée au CHU de Besançon, mais qui a un territoire d'action sur la région Franche-Comté. Alors, ça se dit comme ça, je dois remercier l'espace éthique de m'avoir sollicité pour cette intervention qui est extrêmement intéressante en termes de réflexion. C'est Armand Diran, le responsable de la sollicitation, je le pointe, il est là. Il m'a dit, c'est simple, c'est une controverse. T'as qu'à dire que c'est important de sortir du cadre et... Bon, voilà. Alors c'était un piège, en fait, parce que j'adore les défis, dois le savoir. Et la controverse m'avait intéressée et amusée. Et puis quand on s'est rencontrés avec Jean-Luc Chopin, on s'est aperçu tous les deux qu'on pouvait défendre une position qui était absolument indéfendable, et lui et moi. À la fois sortir du cadre et à la fois rester dans le cadre. Donc c'est, vous avez vu, il n'est pas resté dans le cadre. Hein. Mais moi qui dois soutenir l'idée que l'éthique doit entretenir avec la norme une position transgressive, je vais démonter l'argument là tout de suite. C'est pas compliqué. Si la norme, si la transgression devient la norme, je ne suis plus transgressive en éthique. Donc c'est réglé, je peux arrêter ma conférence là maintenant. J'en vois des qui sont inquiets, donc je vais continuer. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'éthique médicale? Parce que la première question, finalement, c'est... On pourrait se dire, il nous parle d'éthique, il nous parle de transgression, il nous parle de normes. Essayons de définir au moins ce que c'est l'éthique médicale. Alors souvent, vous avez vu ceux qui ont suivi les formations, on se carapate hein, quand on essaye de définir l'éthique médicale. En fait, on la définit négativement parce qu'elle n'est pas. Et alors on vous dit, c'est pas le droit, c'est pas la déontologie. Et c'est pas la morale, mais comme il y a des philosophes dans la salle, je vais pas aller sur la controverse éthique et morale. C'est pas du tout le propos de ce soir. Si on essaye maintenant de la définir positivement, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est l'éthique sans dire ce qu'elle n'est pas, parce que quand on dit ce qu'elle n'est pas, ça laisse une espèce de truc un peu vide. Finalement, je me suis appropriée... cette citation de Paul Ricoeur qui est « La conviction qu'il existe une meilleure façon d'agir et de vivre. » Simplement, la conviction. Donc on est déjà en éthique, on pourrait être un tout petit peu critique sur le fait qu'on soit convaincu qu'il va exister une meilleure façon d'agir et de vivre. Si j'admets la visée bioéthique, de l'éthique biomédicale selon Paul Ricoeur, finalement l'a définie dans différents écrits, mais ce papier-là est facile d'accès et intéressant, c'est précisément dans le contexte médical, dans un contexte où on va produire en fait, des situations difficiles et des situations de patients, hein, j'entends des situations de patients difficiles, qui nous font inventer et la norme et le jugement. C'est-à-dire qu'on pourrait, on devrait en tout cas avoir, sous l'idée que l'éthique, c'est d'avoir la conviction qu'il existe une meilleure façon d'agir et de faire, ben, il faudrait se poser la question de... produire des normes qui définissent cette meilleure façon d'agir et de jugement pour définir si on s'écarte ou pas de ce jugement, de cette norme, pardon.
L'éthique, peut-être ça devrait être un inverse, mais comme je raisonne toujours à l'envers, étymologiquement, l'éthique, éthos, si on prend la racine plus grecque, en tout cas, c'est la demeure habituelle et le repère de chaque homme, donc quelque chose qui va avoir un ancrage physique, et puis la maison au sens qui peut... finalement rassurer aussi l'être humain. Et l'éthos, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'habitude, de la règle, de la coutume. Et donc l'éthique, finalement, d'autres personnes, que je reprendrai un peu plus tard, vont nous dire, ben, finalement, l'éthique, ça donne une apparence tranquille de guide du savoir-faire soignant. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit qu'on fait une réflexion éthique, on est à peu près tranquille sur le fait que l'on va avoir un guide, c'est le guide éthique, avoir un label, c'est le label éthique, et puis finalement produire des actions soignantes, comme disait Armand en propos introductif, produire une action soignante qui est respectueuse du patient, digne pour le patient, etc. Alors, ça, c'est ce que nous propose, ce que nous suggère Paul Ricoeur. Alors, il propose un certain nombre, une méthodologie, si vous voulez, pour produire cette norme et ce jugement dont on parlait juste avant. Mais là, je voudrais déjà dire à ce monsieur, philosophe, que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et que finalement, ce qui est vraiment inquiétant, en tout cas pour nous les soignants, c'est ce que nous apprend la littérature, qui est juste descriptive sur comment ça se passe, les monographies de services qui nous apprennent comment ça se passe dans les services. Deux papiers à titre d'exemple. Un, en tout cas en pédiatrie, qui est très très important, qui est l'étude du... En fait, le centre d'éthique clinique de Cochin, de l'hôpital Cochin à Paris, qui a beaucoup publié sur l'arrêt de la nutrition artificielle, mais pas seulement, et notamment dans le cadre des services de néonatologie. Ce que nous apprennent ces études, donc en néonat ou en réanimation adulte, c'est que clairement, il existe une culture de service. Ça veut dire à partir du moment où vous entrez dans un service, eh ben, si on réfléchit à votre, à comment faire pour vous dans cette situation, eh ben, il va y avoir un certain nombre d'évidences déjà à l'admission dans le service. Si je prends par exemple ce que je connais le mieux, c'est... l'arrêt de nutrition artificielle, dans certains cas chez le bébé, nous sommes confrontés à des pronostics très incertains sur le plan clinique et sur le plan développemental de l'enfant futur, en tout cas. Et nous sommes confrontés à la question de mettre en route, arrêter, poursuivre une alimentation artificielle pour ce bébé. Dans certains services, à partir du moment où on décide d'arrêter cette nutrition artificielle, il y a 100% d'enfants qui meurent. Dans certains services, à partir du moment où on décide d'arrêter cette nutrition artificielle, on a environ un enfant sur deux qui survit. Et dans certains services, eh ben, c'est plus mitigé. On est entre 50 et 100%. Donc ces études-là, ce qu'elles viennent nous dire, en tout cas nous les pédiatres, bien sûr, pas vous dans votre spécialité, mais juste nous en pédiatrie, ça veut dire que on a, à partir du moment où vous entrez dans un service, je rentre à Besançon, je sais que si je pose la question de l'arrêt de la nutrition artificielle, je vais avoir 30% une attitude finalement stéréotypée et qui, sur le plan simplement méthodologique et critique,
pas tellement sur le plan est-ce qu'ils ont raison, pas raison, etc. Je veux dire, les cliniciens qui ont pris ces décisions-là, les étayent, les discutent avec les parents, donc il n'y a rien d'alarmant. Mais simplement sur le plan méthodologique, ça veut dire qu'à partir du moment où vous entrez dans un service, eh ben, il y a une attitude de service. Donc c'est montré en réanimation adulte, c'est montré en réanimation pédiatrique, et c'est montré dans toutes les situations, finalement, limites, dans lesquelles la question de l'autonomie du patient, c'est-à-dire comment le patient peut s'exprimer pour lui-même, elle est réduite à peau de chagrin, soit par le biais de la pathologie, soit par le biais de l'âge, soit par le biais de procédures médicamenteuses, parce que le patient est sédaté, etc. Donc moi, là, ce que ça vient me dire, c'est, sur le plan méthodologique, c'est pas possible que, à partir du moment où on rentre dans un service, c'est déjà écrit pour nous, c'est pas possible, du coup, bah, que... En tout cas, j'ai pas l'assurance, en tant que patient, que la réflexion va être collée à mon cas, à ma singularité, à mon histoire, etc., etc. Donc je pose effectivement l'hypothèse qu'il y a une limite franche, ça c'est une hypothèse issue du terrain, qu'il y a une limite franche aux règles que nous a rappelées Jean-Luc Chopard tout à l'heure, hein, puisque ces services... travail selon les règles qu'on a vues auparavant. Alors finalement, si on reste sur ce que nous disait Paul Ricoeur, c'est dans les situations difficiles qu'il nous faut inventer la norme et le jugement, et ben, je vous propose de faire l'exercice suivant. Essayons de produire des normes pour les cas difficiles. Ce dont je parlais avant. Un enfant, un adulte qui n'a pas beaucoup d'autonomie. La première question qui se pose, c'est quelles sont les normes, quelles sont les règles que l'on peut inventer. La deuxième question, c'est qui va les inventer, qui va produire ces règles. Et la troisième question, c'est finalement comment elles vont être appliquées. Bon, c'est toute la question du jugement évoqué par Paul Ricoeur. Vous me suivez toujours ? Parce que vous avez l'air un peu endormi, mais... Moi, ça y est, je suis partie, donc... si j'essaye de répondre à la première question, donc je vous rappelle, on essaye de faire l'exercice suivant, on essaye de produire, parce que quand même, Paul Ricoeur, c'est pas un nom qui est juste inconnu, donc on essaye de produire des normes qui nous permettraient de répondre à des cas difficiles. Alors, premier type de règles à inventer, c'est ce qu'on va appeler les règles positives. Les règles positives, c'est celles qui existent déjà. C'est celles qui nous disent... les règles que Jean-Luc Chopard a évoquées tout à l'heure. Et puis si on est plus... si la question, elle est plus sur quelles règles éthiques, les principes éthiques de Beauchamp et Childress, vous avez tous entendu parler, je pense, non ? Certains pas. Deux auteurs américains qui ont défini quatre principes en éthique biomédicale qui seraient en fait... des règles à appliquer dans toutes les situations où l'éthique médicale se pose en tant que question, ou en tout cas dans toutes les situations de soins et de la médecine qui posent question aux praticiens ou aux patients. Donc ça, c'est un exemple de règle qui existe déjà. Quatre principes éthiques. On a d'autres règles, par exemple, j'en ai mis d'autres. Il y a une liste... il y a une liste indéfinie de règles positives.
Il y a par exemple tout ce qui va être l'éthique utilitariste, c'est-à-dire que je vais je vais raisonner sur par exemple l'admission en réanimation d'un patient que à partir du prisme si ce patient va être économiquement rentable ou pas pour la société. Je peux raisonner comme ça selon un prisme qui est l'éthique utilitariste, par exemple. Bon. En médecine, les règles, les principes éthiques qui font le plus office de valeur et de repère pour les praticiens, sont des principes de Vosson et Childress qui sont au nombre de 4. Alors, moi, sur ça, déjà, il y a un truc qui bug, parce que, par exemple, nous, en équipe mobile de soins palliatifs, on fait énormément d'aide à la décision dans les équipes. Il y a un truc qui bug, c'est-à-dire vraiment les équipes, ce qu'elles nous rapportent, elles ne sont pas basées, leur valeur dans le soin, ce n'est pas Beauchamp et Childress, leur valeur dans le soin, ça va être toutes les valeurs du CARE, qui ne sont pas des principes, c'est assez revendiqué par la littérature du CARE pour que j'insiste dessus, les valeurs du CARE, qui sont finalement la question de la relation et de la responsabilité, dans laquelle je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous donner des exemples de finalement, ces règles positives-là, elles ne suffisent pas. Parce que quand on arrive dans des services avec celle-ci, il y a celle-ci. Quand il y a celle-ci, il y a celle-ci. La question qui se pose, c'est est-ce que si on n'applique pas celle-ci, on est transgressif? Est-ce qu'on n'applique que celle-ci, on est transgressif? Ou est-ce qu'au final, c'est être complémentaire de considérer qu'il y a un certain nombre de cadres dans la réflexion éthique, éthique utilitariste, éthique biomédicale, éthique du CARE? Est-ce que finalement, on n'additionnerait pas toutes ces éthiques-là pour en faire une éthique du soin, une éthique biomédicale? En tout cas, les règles positives, ce que nous disent les philosophes aussi, c'est finalement, c'est pas satisfaisant sur le plan intellectuel parce que ça laisse pas assez de place à la créativité. Donc ce que suggèrent les théoriciens, je vous appelle comme ça, c'est de plutôt définir des interdits. De définir des interdits qui, eux, vont, en fait, en définissant une ligne à ne pas franchir, vont plutôt dire, ne franchissez pas cette ligne-là, mais en deçà de la ligne-là, faites ce que vous voulez. Vous avez davantage, en tout cas théoriquement, davantage de place à créer le bon soin pour le patient dont on parle dans la situation du patient. Alors si par exemple on prend... après la question de ce qui se pose, c'est la même chose que les règles, c'est quel interdit on va donner. Par exemple, tu ne tueras point. C'est un interdit. Normalement, c'est un interdit pour tout le monde. Est-ce que ça peut rester un interdit si, finalement, le tu ne tueras point, il est convoqué, c'est-à-dire moi j'ai ça comme interdit au niveau professionnel, mais le patient qui me convoque, il me convoque à une question pour lui-même, par exemple sur les demandes d'aide à mourir des patients, mais dont on a produit l'état de santé, c'est-à-dire dont les séquelles subies par le patient qui existent chez le patient sont produites par les praticiens eux-mêmes. Est-ce que le tu ne tueras point, il reste un interdit aussi fondamental que ce que je pouvais dire il y a quelques secondes de ça? Finalement, au départ, l'interdit fondamental semblait évident. Est-ce qu'il le reste si c'est nous qui produisons la situation du patient? Vous vous rappelez la deuxième question que j'avais dit, c'est finalement la question de quelles normes peuvent être produites.
Ensuite, on peut se poser la question suivante, c'est qui peut produire ces normes? Alors, qui peut produire ces normes? Là, c'est pareil. Par exemple, puisque je suis pédiatre et professionnelle, je vais dire les professionnels. Les professionnels, ils pourraient produire les normes. Est-ce que les professionnels, finalement, peuvent produire des normes éthiques tout en restant éthiques, finalement? Parce que c'est ça la question qui se pose. Alors, ici, je vous lis juste un passage de ce que le Centre d'éthique clinique de Cochin a publié dans un papier que j'ai là dans ma main, et qui concerne en fait des études qui sont allées voir comment se prenaient les décisions dans deux champs de la médecine, médecine palliative et des services de procréation médicale, procréation médicalement assistée, où en fait on avait dans ces services, on s'intéresse au faire vivre, faire mourir, comme en tout cas sur le plan éthique, on sait très bien que ce sont des périodes de la vie qui génèrent le plus de questions éthiques. Donc, finalement, dans ces services, ce que écrit, en fait, c'est Philippe Bataille et Louise Virol qu'on a vu juste avant qui publient ça. Ces bonnes pratiques et les guides de conduite dont notre médecine est devenue bien friande, ces bonnes pratiques et les guides de conduite à tenir dont notre médecine est devenue bien friande, agissent ensuite dans ces unités cliniques avec la force autoritaire d'une loi, sans en avoir la légitimité, et même parfois en s'écartant des intentions du législateur. Ces normes restreignent l'espace des subjectivités, autrement appelé le colloque singulier. Donc, c'est des auteurs, hein, je cite les auteurs. Donc, ce qu'ils nous disent, les auteurs, c'est attention, je dois me dépêcher. Ce que disent les auteurs, c'est finalement, dans ces deux milieux où les tensions éthiques sont très très fortes, on pourrait, en tout cas les professionnels qui ont été étudiés, ont le risque de faire passer leur propre subjectivité avant, et du coup de décréter des règles qu'ils imposent du tampon légal ou éthique, au détriment de la prise en charge des patients. Deuxième, donc ça c'était si les professionnels produisent ces normes. Ça c'est pareil, c'est une étude monographique, c'est-à-dire observationnelle, qui observe les pratiques des professionnels. C'est un peu gênant de dire que ce serait les professionnels qui pourraient produire ces normes. Mais on peut en discuter. Deuxième possibilité, finalement, les patients. Est-ce que les patients pourraient produire ces normes eux-mêmes? Alors là, ce que vont vous rétorquer tous les professionnels de santé en face, c'est finalement, est-ce que le risque, ça ne peut pas être de transformer la relation de soins en relation de clientèle? Et donc, du coup, pas tellement dans un système de démocratie sanitaire, mais plus dans un système où le patient va avoir tout un tas de droits contractuels, en tout cas contractualisés, peut-être avec une valeur assez péjorative en tout cas, en tout cas, une valeur péjorative de la contractualisation de la relation médecin-patient. Dernier
quand j'ai réfléchi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, hein, mais peut-être on peut y voir aussi la société, etc. Les éthiciens. On pourrait dire, bah tiens, finalement, il y a des gens qui pourraient réfléchir à produire des normes pour les situations médicales, en tout cas les situations de soins. Alors là, je ne vais pas détailler, mais il y a toute une partie de la littérature du CARE. Je vous ai mis deux noms, là, pour ceux que ça intéresse, philosophes, sociologues, psychologues, qui s'en sont donnés à cœur joie sur les critiques qu'on pouvait faire des gens qui se proclamaient éthiciens. Alors, c'est un peu moins vrai en France qu'en Amérique du Nord, mais en Amérique du Nord, vous avez une spécialité qui s'appelle l'éthique et qui, du coup, il y a des professeurs d'éthique dans les hôpitaux et qui peuvent être consultés comme des experts qui produiraient un label éthique. Et on présume que si ces experts se réunissent entre eux, en amont, ils pourraient produire une norme éthique. Bon, moi, je ne suis pas très satisfaite de ça. Et du coup, j'en rajoute encore une couche, c'est finalement, admettons qu'on ait trouvé les bonnes personnes, les bonnes règles, maintenant on passe à l'application de ces règles et de ces personnes. Alors là, vous savez que dans les services, en tout cas sur le plan, nous, des équipes mobiles, on a tendance à distinguer clairement deux temps, qui est le temps de la réflexion, éthique en équipe pluridisciplinaire pour réfléchir à la situation ou à la prise en charge d'un patient. Et ensuite, on a la mise en œuvre de la décision. Comment va être mise en œuvre la décision dans le temps, etc. Bon, là, je ne vais pas vous donner 36 000 exemples sur... en fait, l'impossibilité pour une équipe de mettre en œuvre une décision à laquelle elle n'a pas réfléchi en amont, ou l'impossibilité pour une équipe de mettre en œuvre une décision qu'elle n'a pas élaborée, comprise. Et du coup, la question de comment on applique cette norme où on dit, ben là, la réflexion, on a réfléchi au cas de monsieur Untel, monsieur X, on réfléchit à son cas, on réfléchit par rapport à des normes qui vont être on réfléchit par rapport à des normes qu'on aurait produites antérieurement, on y appose un label éthique, et après, la mise en œuvre, elle est impossible à faire par les soignants eux-mêmes. Parce que si jamais on a imposé un label qui n'était pas eux dans leurs propres valeurs, ils ne pourront pas appliquer cette décision. Collectivement, j'entends. Donc finalement, j'ai ça et puis une autre diapositive, finalement, l'enjeu, est-ce que ce n'est pas la construction d'un sens collectif ? C'est-à-dire, en fait, c'est pas tellement de dire on a réfléchi, on a fait une réflexion éthique et on y a posé un label et on est sûr qu'elle est éthique. Est-ce que finalement l'enjeu, c'est pas de construire collectivement en équipe un sens, c'est-à-dire le pourquoi, le comment on va prendre en charge ce monsieur dans une situation donnée particulière. Et là, je vous lis juste aussi un extrait, parce que c'est quand même très intéressant comme réflexion. C'est le sociologue qui dit, Florent Schepens, là, je ne suis pas allée chercher loin, en fait, hein, il est chez nous, ce monsieur. C'est le sociologue qui dit, ce qui a attiré notre attention, c'est le fait que le chef de service close ce staff en disant, je ne savais pas quelle direction allait prendre notre prise en charge. Alors que pour moi, pour nous, ce qu'on dit nous dans les articles scientifiques, alors que pour nous, la décision semblait évidente. Est-ce que le processus de construction du sens du soin est inconscient ? Nous pouvons assurer qu'il soit totalement conscient.
Cependant, ce qui est certain, c'est qu'il répond à une nécessité. La participation à la construction collective de la prise en charge du malade. Et donc, c'était la question d'un monsieur qu'il fallait nourrir artificiellement ou avec une cuillère. Sa définition particulière de l'acte de nourrir aurait pu être, par exemple, imposée par un médecin et accompagnée par une rapide explication. Ou encore faire l'objet d'une routine. C'est comme ça qu'on fait dans le service. On nourrit ou alors on donne à la cuillère, peu importe. Cependant, imposer ou routiniser une telle décision, c'est empêcher les professionnels de participer à son élaboration et par là même interdire aux soignants de s'approprier, à partir d'un cadre de situation palliative, la situation de la personne malade. Tout est alors événement avant que collectivement les membres de l'unité de soins palliatifs qui sont rapportés dans cette étude ne réussissent à le transformer en fait banal. Donc le sens de la situation ne préexiste pas à la situation, il n'est pas défini a priori, mais collectivement construit à partir de la participation de chacun. Donc, ce qui veut dire ce monsieur, c'est que finalement, alors que lui de l'extérieur avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autre issue que la décision qui a été prise, et que lui, à partir du moment où il a présenté la situation, c'était une évidence pour lui que cette décision devait être prise comme ça, mais il a fallu qu'elle s'élabore entre les soignants pour que tous puissent collectivement l'appliquer. Et donc finalement... Je vais te couper, Sandra. On peut finir, on a un temps c'est la dernière, sur le temps là. De la discussion. D'accord. Et finalement... C'est pas le titre que j'avais mis, mais finalement, ce que j'avais dit, c'est finalement, quelle régulation peut-on prévoir si l'éthique garde une position critique vis-à-vis des normes ? Parce que c'est pas très rassurant non plus qu'à chaque fois que l'on parle de... Si on se définit comme transgressif à chaque fois, je sais pas si on oserait soutenir cette position-là vis-à-vis de patients, mais il faut quand même qu'on arrive à garder un cadre dans lequel on leur assure que la visée du soin, c'est bien le respect de leur personne et la dignité. Et donc, finalement, je vais finir là-dessus avec deux propositions. Une proposition importante, c'est la question du collectif. Est-ce que ce n'est pas au collectif d'assurer cette régulation permettre à l'éthique de garder à la fois une position critique et à la fois une position qui respecte un certain nombre des règles que l'on a vues au cours de cette... par Jean-Luc Chopard et au cours de cette soirée. Voilà, à discuter.